Ce matin sur la Cano, bonjour à toutes et à tous. On commence la journée avec un temps qui est variable avec averse. Il y a un gros grain qui arrive par le nord-ouest. Une température extérieure à 17 degrés, une température de l'eau à 18 degrés, une marée qui était haute à 6h25 et qui se rabasse à 12h30 avec des coefficients assez importants de 85. Sur ce tout début du descendant, le vent est onshore nord-ouest à de Beaufort. Le plan d'eau est ridé, un peu de clapot, les phases de vaccin à silice et on a une houle qui est moyenne à longue, 8 à 9 secondes de période, orientée ouest à ouest nord-ouest, multipique en atténuation. Ça devient surfable ce matin, il y a sur les scieries 1m30 la plupart du temps, à des fois un petit 1m50. Il y a des bouts attrapés, c'est en pic, là c'est bien évidemment sur les meilleurs bancs de sable qu'il faut s'orienter, parce que ça ferme partout ailleurs, hein. Et il y a 2-3 bancs un peu plus favorables, c'est toujours la même ritournelle, mais bon, il y a quelques pics à attraper, il y a déjà quelques jeunes tendus du pro junior qui vont à l'eau. L'évolution pour le reste de la journée, ça va grossir, la boue Arcachon est à la hausse à 2,48 secondes, à 9h, donc 1m20 à 1m50 tout l'ouest à ouest nord-ouest, 8 secondes de période vent de nord-ouest à 2-3 Beaufort. À 13h, on devrait avoir du 1m80 sur les plus grosses séries, ou l'ouest à ouest nord-ouest qui s'allonge 12 secondes de période avec le vent toujours au nord-ouest à 2-3 Beaufort. Et à 17h, 1m50 à 2m, ou l'ouest à ouest nord-ouest, 13 secondes de période vent de nord-ouest 3 Beaufort. Des vagues agitées au programme aujourd'hui. On va surveiller le créneau de ce matin, mais aussi quand même cet après-midi avec les gros coefs et la marée haute en fin de journée. Le prochain point, il sera à 8h10. A tout à l'heure, merci.